question. Messieurs, s'il vous plaît, j'ai une femme enceinte là qui est en train d'accoucher. Alors, vous savez si c'est une fille ou un garçon? Une fille. Moi, j'en ai trois. Ça, je vous laisse ça, mais c'est pas du tout pour être enceinte. Oui, c'est vous m'appeliez après pour me dire comment ça va. Ah non, 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 mais moi, je suis pas du tout le père de cet enfant. J'ai rien à voir avec cette dame. Pratiquement née dans mon taxi, c'est tout, hein. Une fille, comme par hasard. Tu es une cigogne, papa. Elle est là, Artemis est là. C'est qui? C'est notre modèle vedette. C'est un monde, c'est un univers, c'est une chimère, c'est un être mythologique, un Velasquez, elle me plaît. Je vous sers un thé, une tasse de café? Non merci, je suis là pour travailler. Alors Picasso, qu'est-ce que vous faites avec vos petits crayons là? Ah non, non, je vous en prie, je ne montre jamais mon work in progress. Ah, mais je vois bien mon work in progress, hein. Je ne t'ai sûr, vous êtes peintre comme je suis épicier, hein. Petit cochon, vous vous rincez l'œil avec des stratagèmes dégoûtantes. C'est parfois tellement mystérieux l'amour. Ça peut être bien plus étrange que vous ne le pensez. En amour, la seule chose qui compte, c'est le coup de foudre. C'est un monde, c'est un univers, c'est une chimère, c'est un être mythologique. Oh, c'est chaud. On drague, on met parfois un moment à séduire l'autre. Patatras, on se rend compte que c'était pas notre job. Ça doit être encore une de ces blagues. On va le retrouver au restaurant, vous inquiétez pas. Il y a une chose que je comprendrai jamais chez les femmes, c'est leur intérêt pour les hommes. L'image qu'on se fait des hommes est le produit de notre imagination. Non mais là c'est énorme. Pour moi la mission des hommes dans la vie n'est pas de réussir à nous séduire, mais de continuer à échouer.